comment bien mettre son traitement pour les yeux. La majorité des traitements en ophtalmologie sont administrés par voie oculaire. Cela obéit à certaines règles pour obtenir une guérison dans les meilleurs délais ou pour ne pas aggraver la situation. Quel que soit le type de présentation du médicament, ces règles sont applicables. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Sabé, je suis ophtalmologiste. Les médicaments par voie oculaire sont présentés sous forme de collyre en solution ou en suspension et de gel ou pommade ophtalmique. Cela est généralement mentionné sur l'emballage. Si tu as apprécié mon travail, pense à mettre un petit pouce bleu et commente. Partage, quelqu'un quelque part deviendra plus informé grâce à toi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il faut se laver les mains avant et après l'administration du traitement. Cela empêche d'emmener de nouveaux microbes sur l'œil ou de garder des microbes sur la main et de les transmettre à autrui. Toutefois, trop d'hygiène tue l'hygiène. Je cite le cas de cette personne qui, à chaque instillation, a utilisé l'eau, le savon, l'alcool à 90 degrés et des compresses stériles et qui a fini par aggraver sa situation. Il faut agiter le flacon avant l'instillation d'un collyre en suspension. Cela permet d'homogénéiser le collyre et d'être sûr d'administrer le principe actif. Pour mettre le collyre ou la pommade dans l'œil, il faut tirer légèrement la paupière inférieure vers le bas et mettre une petite quantité de pommade ou une goutte de collyre dans le cul de sac. Il faut éviter de toucher l'œil, la paupière ou les cils avec l'embout du flacon au risque de le contaminer. Il faut cligner les yeux pour répartir le médicament sur la surface oculaire. Dans le coin interne de l'œil, il existe un passage qui permet d'évacuer les larmes vers la gorge. Il est conseillé, après l'instillation de certains collyres, d'appuyer sur ce coin interne pendant environ une minute pour limiter le passage du collyre dans la circulation générale. Il faut bien refermer le bouchon après utilisation. On recommande de respecter un délai de 15 minutes avant l'instillation d'un autre collyre. Cependant, il arrive qu'un traitement soit composé de 4 collyres ou plus, ce qui équivaut à environ une heure pour mettre tous les collyres et ceci plusieurs fois dans la journée. Tu conviens avec moi que ce n'est pas vraiment pratique. Je recommande à mes patients un intervalle de 5 minutes grand max entre deux collyres. Demande toujours l'avis de ton ophtalmologiste. En cas de co-administration d'un collyre et d'une pommade ou d'un gel, il faut d'abord instiller le collyre, puis la pommade ou le gel. Dans le cas contraire, l'action du collyre risque d'être limitée. Il faut aussi respecter la période de conservation après ouverture du flacon qui est de 15 jours en général. Pour certains collyres, cela va jusqu'à 6 mois après ouverture. Il faut noter la date d'ouverture du flacon sur l'emballage et il ne faut jamais prêter son collier à quelqu'un pour éviter un risque de contamination. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aime, commente et partage. Quelqu'un, quelque part, deviendra plus informé grâce à toi. D'ici là, prends soin de toi et de tes yeux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, abonne-toi!